Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir un morceau de l'Ikouté Moharan et une partie d'un enseignement. Et puis ensuite, on va lire un Likutei Halakhot qui a de Rabbi Nathan qui est sur cet enseignement. Alors, c'est l'enseignement 155 du Likutei Moharan. Et Rabbeinu, il commence, il nous dit que la tristesse est un très mauvais trait de caractère. Il parle là-bas de Mida. Mida Ra'a Me'od, ça veut dire la Mida, c'est une mesure. Ça veut dire que quand une personne, on avait déjà expliqué qu'une personne, elle est composée de quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Et de ces quatre éléments-là, si vous voulez, si ces éléments, ils sont pas, ils sont déréglés, c'est tout le monde, hein. Tout le monde est déréglé dans ces éléments-là, alors ça crée des traits de caractère qui sont, par exemple, la terre, c'est quelque chose qui attire les choses vers elle. Elle a un pouvoir d'attraction, et donc la terre, ça correspond à la tristesse. C'est-à-dire que quand une personne, elle est déréglée au niveau de cette mesure, qui représente la terre qui est en lui, alors il va avoir une tendance à la tristesse. Donc Rabbi Nachman, il nous dit que la tristesse, c'est un trait de caractère qui est très mauvais. Et ainsi, le fait que l'homme, il ne, aussi, quand l'homme, il ne s'en rend pas chez le juste, il ne voyage pas chez le juste, c'est à cause de la tristesse et de la lourdeur, de l'apathie. C'est-à-dire qu'une personne. Alors, ce qui est intéressant de voir, donc il parle de voyager chez le tzaddik, et il dit que quand il ne voyage pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas ou il ne peut pas, c'est tout simplement à cause de ces deux traits de caractère qui sont la tristesse et la lourdeur, l'apathie. Il n'arrive pas à bouger. Et aussi, quand il n'arrive pas à prier comme il faut, c'est à cause de la tristesse et de la paresse. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est quelque chose qui donne de l'espoir, dans la mesure où que dès qu'une personne, elle veut voyager chez le tzaddik, ou alors une personne, elle veut prier, automatiquement, elle va être visitée par ses traits de caractère, c'est-à-dire qu'il va être visité par la tristesse, par la paresse et par la lourdeur. Donc, c'est ce qui nous explique que quand une personne, elle veut prier, c'est quelque chose de difficile, parce qu'automatiquement, il va ressentir de la lourdeur, de la tristesse et de la paresse. Et aussi quand il va vouloir aller chez le tzaddik. Il nous dit que, en fait, d'où vient cette tristesse, cette lourdeur et cette paresse, ça vient à cause d'un manque de foi. Parce que si une personne elle avait une foi complète et qu'il croyait que Dieu se tient au-dessus de lui et qu'il entend chaque parole qui sort de sa bouche et qu'il entend aussi le son de sa prière. Donc c'est même pas les paroles, ça, même l'intention. Quand une personne des fois elle voudrait prier mais elle n'arrive pas, mais qu'elle émet un son, une complainte, elle fait oh, un truc comme ça, ça aussi ça fait partie de la prière. Et Dieu, il est à l'affût de ça et il écoute ça. Si une personne, elle était consciente et qu'elle croyait cette chose-là, que quand maintenant il va se mettre à prier, Dieu se tient au-dessus de lui et il écoute chaque parole qui sort de sa bouche et qu'il écoute aussi le son de sa prière, alors pour sûr, il n'aurait aucune tristesse, aucune lourdeur et aucune paresse dans sa prière. Et c'est sûr qu'il prierait comme il faut, mais la perturbation qu'il y a dans la prière,
ça vient d'un manque de foi. On va expliquer tout ça. Là, c'est Rabbeinu, mais après, Rabbi Nathan, il va nous expliquer les choses. Il va bien nous expliquer les choses. Et donc, quand une personne, quand il lui tombe sur une personne, quand la personne, elle ressent de la tristesse, de la paresse, qui vient le perturber, qui lui amène des confusions, des embrouillements dans sa prière. Alors il faut savoir que cette tristesse et cette paresse, elle vient à cause d'un manque de foi. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, si véritablement on arrivait à croire que Dieu, que dès qu'on veut prier, il est toujours là Dieu, mais que dès qu'on veut prier, pourquoi on n'arrive pas à prier? Parce qu'on ne croit pas que Dieu il est là, il se tient au-dessus de nous et qu'il écoute toutes les paroles qui sortent de notre bouche. Donc c'est un manque de foi. Toutes ces émotions, ces mauvaises émotions qui sont la tristesse, qui sont la paresse et la lourdeur, ça vient d'un manque de foi. Alors Rabbi Nachman, il va nous expliquer, il va nous donner une parabole. Il dit que quand on prend un grain de blé et qu'on plante cette graine de blé dans une bonne terre, une terre qui est fertile. Alors, la graine, elle va pousser et elle va grandir. Et rien ne peut la déranger, c'est-à-dire que ni le vent, ni la graine, ni le tonnerre. Il faut savoir que quand on plante une graine dans la terre, alors cette graine-là, elle va passer des intempéries, il va avoir des inondations, il va avoir de la sécheresse, il va passer partout, jusqu'à que la graine elle va commencer à germer. Mais si cette graine elle se trouve dans une terre, une bonne terre, alors elle va se développer et elle va pousser. Pourquoi? Parce que cette terre, elle a le pouvoir de grandir et de se développer. Excusez-moi, cette graine, elle a la force de pouvoir grandir et se développer. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit tout simplement qu'une graine, si vous prenez une graine, à l'intérieur de la graine, il y a tous les éléments en potentiel pour que cette graine elle puisse se développer, grandir et arriver à d'une petite graine, il peut pousser un arbre avec un tronc, avec des racines. Et ce tronc et ces racines, ils vont faire des fruits. Et ces fruits, ils peuvent. Et si on prend les graines de ces fruits, qu'on les plante dans la terre, ils vont eux aussi faire des arbres, etc. Donc on voit que dans une petite graine, c'est un monde qui est entier en elle, mais que potentiellement elle a le pouvoir de pouvoir grandir à condition qu'elle soit dans une bonne terre. Et c'est pour ça que quand elle a la force de grandir et de se développer, alors il n'y a rien qui peut l'abîmer. Quoi que ce soit, rien qui peut l'arrêter de grandir. Mais quand on prend une graine et qu'on la met dans une terre qui n'est pas bon à son développement, c'est-à-dire que ce n'est pas une terre qui est fertile, ce n'est pas une terre qui va faire pousser cette graine, alors il nous dit, Rabbi Nachman, que la graine, elle va pourrir dans la terre. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas recevoir la force de grandir et de se développer. Ok, ça c'est la parabole de Rabbi Nachman, et on va voir combien elle est importante, parce que quand Rabbi Nachman nous amène une parabole, c'est en vérité pour après nous expliquer qu'est-ce que ça vient impliquer pour nous, qu'est-ce que ça veut dire une graine, quel rapport on a avec une graine, mais il va nous expliquer. Et donc, la Emouna, donc là maintenant il va rentrer déjà dans la chose, il va sortir de la parabole en nous expliquant que la Emouna, la foi, c'est le fait de grandir et de se développer. Ça veut dire que quand une personne, elle a la foi, alors elle peut grandir et se développer. Bon, on va expliquer ce que c'est la foi. Il y a des millions d'explications et d'approches par rapport à cette foi-là. Mais ici, il nous dit que, il nous amène un verset qui se trouve dans
la Megillah de Esther, qu'on lit à Purim, il dit que Vaï, Omen et Tadassa. Mordechai, il a fait grandir Esther. Hadassa, c'est Esther, ça veut dire qu'il l'a fait grandir, il l'a élevée. On voit que dans le mot Omen, c'est le même mot que Oman. Omen, ça veut dire c'est un artisan, c'est quelqu'un qui travaille pour faire grandir. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui va planter une graine, alors c'est aussi un artisan, c'est comment on appelle ça ? Il va faire grandir cette graine et il va lui donner la possibilité de grandir. Et donc, il nous dit que Omen, c'est la même chose que de faire. Omen, c'est comme Emouna, et ça veut dire que c'est la même chose. Ça veut dire que la Emouna, elle a la force de nous faire grandir et de nous développer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une personne, elle se trouve dans la foi, c'est-à-dire qu'il va appréhender ce qui va se passer autour de lui avec de la foi. Après, on va expliquer, Rabbi Nathan, il va nous expliquer de quelle foi il parle. Alors, il n'y a rien qui peut le casser. Parce qu'il est, comme on dit, dans une bonne terre. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas de foi, c'est-à-dire qu'il vit sans foi, alors chaque événement de sa vie vont le casser. Et donc, il va, comme il dit plus haut Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'il va pourrir dans la terre. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir la force de se développer et de grandir. On voit que donc, il prend en parallèle, Rabbi Nachman, la terre, une bonne terre, ça représente la Emouna. C'est-à-dire que quand une personne, elle est entourée de Emouna, de foi, alors il n'y a rien qui peut la casser. Et il nous dit que cette foi, elle s'appelle, c'est le traité des graines. Zraïm, c'est le premier traité de la Mishnah, de la Gemara, c'est-à-dire Brachot. Ça s'appelle Seder Zraïm, ça veut dire le traité des graines. Et donc c'est une allusion pour nous dire que la foi, elle a la force comme une graine. Si une personne, elle a la foi, elle va avoir le potentiel, elle va avoir potentiellement en lui, parce qu'en réalité, chacun de nous, on a le potentiel comme cette graine de grandir et de se développer d'une manière extraordinaire et d'avancer et de se développer dans la vie. Mais sans potentiel. Maintenant, si on n'a pas la foi, c'est comme se retrouver dans une terre qui n'est pas fertile. Et donc, la personne, la graine, elle va pourrir dans cette terre, elle ne va pas avoir la force, la terre ne va pas lui donner la force de pouvoir pousser. En fait, dans la graine, il y a tous les éléments, mais seulement il faut que la graine, elle soit dans une terre fertile pour lui donner la force de sortir son potentiel. Et donc, c'est la même chose pour la foi. Donc, ça veut dire que quand une personne, elle a la foi, qui est la force de grandir et de pousser, alors rien ne peut l'atteindre. Et il a peur d'aucun homme, d'aucun être humain et de quoi que ce soit. Et il arrive à prier avec une énergie, une très bonne énergie, et il arrive aussi à voyager chez le tzaddik. Pourquoi ? Parce qu'il a peur, il n'a pas peur de rien de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que il a peur de rien. Mais seulement quand il a un manque de Emouna, alors il n'a pas la force de grandir et de se développer. Et donc, il va pourrir en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va. Une graine qui ne grandit pas, c'est une graine qui pourrit. Parce que à la fin, son potentiel, il reste à l'intérieur de la graine et il ne peut pas grandir. Comme on a parlé, comme avec la graine. Et donc, à cause de ça, il a de la tristesse, de la paresse et de la lourdeur. Ça s'appelle avoir pourri. Donc maintenant, si on prend cet enseignement et qu'on le retourne à l'envers, et qu'on dit pourquoi je suis triste, pourquoi je suis paresseux, et pourquoi je suis lourd, que j'arrive pas à me bouger, j'arrive pas. Tout ça, bien entendu, c'est dans des différents degrés, parce que même une personne, si on arrivait à exploiter notre potentiel, on serait sans arrêt en train de, on serait joyeux, on agirait,
on arrivera à bouger, etc. Donc ça veut dire que quand maintenant, si on prend l'enseignement à l'envers et qu'on dit pourquoi je suis triste, pourquoi je suis lourd et pourquoi je suis paresseux, ça vient du fait que il me manque de la Emouna. Et donc Rabbi Nachman, il continue en nous disant, donc la patience, elle dépend de la foi. Parce que tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, excusez-moi, la patience, c'est-à-dire que il a peur de rien et il ne fait pas attention à aucune chose qui va l'amener à annuler son service divin. Bien sûr, son service divin, on l'a expliqué des milliers de fois, c'est chacun à son niveau. À partir du moment où une personne, elle cherche une guérison pour son âme, c'est-à-dire qu'elle cherche, ça s'appelle le service divin, chacun là où il se trouve, mais là où il se trouve, peu importe, du plus élevé au plus bas, peu importe, il va être confronté à ce même phénomène, c'est-à-dire que s'il il a de la patience, alors il va pas. Donc il nous amène cette notion, Rabbi Nachman, de patience. Cette notion de patience, elle est liée à la respiration. Pourquoi elle est liée à la respiration? Parce qu'on voit que le peuple juif, quand il était en Égypte, il s'est marqué, il avait un souffle qui était court à cause de la servitude dans laquelle il se trouvait. Donc il n'arrivait même plus à respirer. Mais quand on parle de respiration courte, ça veut dire que la personne, elle se retrouve à l'antidote de la Emouna. Ça veut dire qu'elle n'arrive même pas à respirer, que tous les événements l'amènent à une respiration saccadée et à cause de ça, il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à prier, tout ça on a expliqué, c'est à cause d'un manque de foi. Et donc, quand une personne, elle a la patience, alors elle a peur de rien et elle ne fait pas attention du tout à tout ce qui peut annuler son service divin. Il fait sa part. Encore une fois, de faire sa part, ça veut dire que chacun, au niveau où il se trouve, il ne va pas arrêter de faire parce que chaque fois qu'il va avoir une attaque qui va l'amener peut-être à annuler son service divin, il ne va pas faire attention à ça, il va continuer, et ça s'appelle la patience, c'est-à-dire qu'il a de la respiration. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et là, Rabbi Nachman, il dit une chose extraordinaire. Il dit en hébreu, « Lo irpatle shum davar ». Irpatle, comme on dit en hébreu, « Lo irpatli », c'est un mot en hébreu, ça veut dire, excusez-moi un petit peu, je vais le dire un petit peu, d'une manière un petit peu, comme on dit en slang, en argot, il n'en a rien à foutre, excusez-moi de l'expression, mais ça veut dire que ça, il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Alors donc, Rabbi Nachman, il emploie cette expression, qui lo erpatle shum davar. Il ne regarde pas toutes les confusions et toutes les perturbations et les embrouillements qui viennent l'empêcher de servir dans son service divin. Et donc, il n'en a rien à faire. Il fait sa part, il fait ce qu'il doit faire dans son service vis-à-vis de Dieu. Et donc, la patience, elle dépend de la Emouna. Donc, on va faire encore juste deux, trois lignes, et après on va passer au Likuta Halachot. Parce qu'il nous dit, c'est marqué dans la Gemara, que quand, dans le Talmud, que tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, alors il y a de la colère dans le monde. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est de savoir, c'est de croire qu'il y a un intermédiaire. Ça veut dire qu'il y a Dieu, mais il y a d'autres forces aussi. Il y a des intermédiaires. Et donc, ça amène la colère dans le monde. C'est pour ça que dans le monde futur très proche, si Dieu veut,
pas le monde futur, dans l'avenir, avec l'aide de Dieu, toutes les idolâtries, elles vont disparaître. Et à partir du moment où l'idolâtrie, elle va disparaître, donc la colère dans le monde, elle va disparaître. Et donc, si vous voulez, il y aura une foi parfaite. C'est-à-dire que les gens, ils vont pouvoir déceler dans tous les événements de leur vie que ce qui se passe, ils vont avoir la patience de tout supporter. Parce qu'ils sauront que tout c'est pour leur bien et ils seront pas déséquilibrés par tout ce qui peut se passer. Et donc, grâce avec la foi, qui est le contraire de l'idolâtrie, alors est annulée la colère. Et donc, grâce à ça, on arrive à la patience, qui est le contraire de la colère. En fait, chers amis, il faut savoir une chose, c'est que quand on a un manque, il n'y a pas entre les deux. C'est où une personne, elle va travailler pour acquérir la foi, et c'est un travail de tous les jours, ou alors si elle ne fait pas ce travail, elle va se trouver dans la colère. La colère, c'est l'incompréhension. La colère, c'est de croire, c'est quoi l'idolâtrie ? C'est quand je crois que ce qui m'est arrivé, c'est à cause d'un tel. Un tel m'a fait telle chose. Ou à cause d'un événement. Ou à cause de on met un intermédiaire. C'est pas d'aller faire de l'idolâtrie en tant que tel, mais l'idolâtrie, on en fait tous les jours, à chaque seconde. À partir du moment où on est décroché de la foi, c'est-à-dire que maintenant, la colère, elle va prendre place. Donc c'est ou la foi ou la colère. Il n'y a pas entre les deux. La colère, ça veut dire que maintenant, je ne comprends pas les événements. Et comme je ne comprends pas les événements, j'ai une colère qui est même à la limite, qui est inconsciente. Mais ça s'appelle de la colère. Ça veut dire qu'inconsciemment, j'ai des arrière-pensées sur mon Créateur. On va arrêter ici, en vérité, l'enseignement 155 qui continue. Mais on va passer maintenant au Likutei Halakhot qui a attrait sur cet enseignement-là. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit que va regarder cet enseignement. C'est donc on commence l'Likutei Halakhot, l'enseignement 155 qui parle, il nous dit que la tristesse est un trait de caractère qui est très mauvais. Et va regarder cet enseignement du début jusqu'à la fin, donc dans l'enseignement de Rabbeinu, parce que c'est un chemin extraordinaire pour servir son Créateur. Et si tu regardes, si tu observes et que tu vas approfondir la chose, tu vas pouvoir recevoir de là-bas des conseils extraordinaires et un très grand renforcement, un très grand courage qui est sans fin pour le service divin. Alors, il nous dit que l'essentiel, ça veut dire la chose, le principe, c'est qu'un homme, il doit se coller au trait de caractère de Dieu. Je vais m'expliquer. Dieu, il a des midotes, il a des mesures qui sont parfaites. Je vais vous donner un exemple. Quand on se sert de l'énergie que Dieu il nous donne pour faire du mal, ou de parler du mal, par exemple, quand on parle, il y a des gens que Dieu préserve, une personne qui est très très fatiguée ou malade, elle n'a même pas la force de parler, à peine. Donc ça veut dire que quand on a la force de parler, c'est une énergie qu'on reçoit de l'au-delà, de Dieu, et qui se renouvelle à chaque instant. Donc comme maintenant cette énergie, on nous la donne, et quand une personne, elle prend cette énergie et qu'elle s'en sert pour dire du mal, ça veut dire qu'elle s'est servie de la vie que Dieu lui donne pour faire une mauvaise action, pour dire une mauvaise chose. Et maintenant, on se rend compte que ce n'est pas pour autant que Dieu il va le faire sortir du ring, ça veut dire qu'il va le jeter. On voit que Dieu il a une patience extraordinaire, que malgré qu'on va fauter avec l'énergie que Dieu il va nous donner, malgré ça, Dieu il a une patience infinie qui renouvelle à chaque instant. Donc maintenant, quand Rabbi Nathan il nous dit qu'il y a un principe de se coller, de se retrouver par rapport aux mesures de Dieu, c'est-à-dire à ses attributs, c'est-à-dire par exemple quand on va parler de patience,
C'est la patience de Dieu où il faut prendre ça comme exemple, l'exemple que je vous ai donné. Et il y en a des milliers qu'on pourrait donner. Comme c'est marqué, comme il nous dit nos sages et dans tous les livres, que donc il faut se coller, se fréquenter et se coller aux vertus de Dieu. Et donc là, on parle de la patience. Et de voir, d'avoir, donc d'acquérir cette mesure de patience. C'est-à-dire qu'il arrive à respirer, à avoir de la patience sur tout ce qui va se passer sur lui, et qu'il ne va pas se mettre en colère, et qu'il ne va pas être pointilleux sur aucune chose. Et il ne va pas regarder la chose qui va l'empêcher de faire son service divin. C'est-à-dire qu'il ne va pas être arrêté par les choses qui vont l'embrouiller, par les confusions qui vont lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il va être patient. Il va prendre sur lui, il va respirer, il va prendre sur lui. Et il nous parle des confusions qui viennent des gens. Alors, ça peut venir de plusieurs façons. Ça peut être des problèmes qu'une personne elle a avec son entourage. Ça peut être avec ses parents. Ça peut être avec ses beaux-parents. Ça peut être avec sa femme ou ses proches ou ses enfants. Tous les gens qui l'entourent. C'est des gens qu'ils ne font pas exprès, mais c'est comme ça la vie. On va être embêté et il va y avoir des choses qui vont nous embêter et qui risquent de nous arrêter ou de nous freiner dans notre service divin. Il nous dit, Rabbi Nathan, c'est des choses qui sont connues, qu'on voit régulièrement, que dès qu'une personne, elle veut un petit peu rentrer dans le service divin, qui veut par exemple essayer de prier un petit peu avec concentration, pas prier comme un robot, mais de prier, d'essayer de mettre, si vous voulez, son attention dans les mots qui sortent de sa bouche. Vous voyez que quand une personne, si vous allez essayer de prier en faisant une prière qui sort de votre bouche, il y a de fortes chances, ça arrive souvent, que la prière elle sorte de notre bouche, mais qu'on n'est pas concentré sur les mots qui sortent de notre bouche. Donc c'est dur de prier avec concentration. Et dès qu'on veut essayer de prier avec concentration, alors on a des confusions et des empêchements sans fin. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il faut être « az kanemer », ça veut dire « audacieux » comme une panthère. Mais vous rappelez qu'on avait une fois parlé de ça, le « nemer » en hébreu, ce n'est pas une panthère. Parce que le Barthénora dans la Mishnah de Avot, dans le Maxime des Pères, il nous dit qu'être audacieux comme une panthère, il y a le Barthénora qui est un commentateur qui dit que le Némer, c'est en fait un bâtard. C'est, sa mère, c'est une lionne et son père, c'est un sanglier. Et la bête qui sort de ça, ça veut dire un Némer. Ça veut dire qu'en vérité, il n'a aucune estime de lui-même. Parce qu'il y a un côté où il a des vertus d'une lionne, mais d'un côté, il a des vertus aussi d'un sanglier, c'est-à-dire quelqu'un de très très bas. Et donc, il ne sait pas trop qui il est. Et là, il nous dit, sois audacieux comme un émer. Ça veut dire que malgré que tu ne sais pas trop qui tu es et que tu as beaucoup de doutes sur toi-même, sois audacieux et sois fort comme un lion. Donc, c'est ça la Mishnah qui dit. Liot askanemer ve gibor kaari, sois fort comme un lion pour faire la volonté de ton Père, de ton Dieu qui est au ciel. Et d'arriver à se renforcer contre tous les empêchements et de les passer, ces empêchements-là. Et de ne pas regarder du tout les choses qui viennent nous empêcher, de ne pas les regarder, de ne pas les observer, de les laisser passer. Ça s'appelle être patient. Ça s'appelle d'être patient. Et de se renforcer
de faire sa part, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire. Et de prier, d'étudier avec concentration et avec force. Ça s'appelle la patience. Qu'il n'est pas un souffle court, que Dieu préserve, et qu'à cause de ce souffle court, alors il va arrêter son service divin. À cause des confusions et des empêchements qu'il a sur lui, il va prendre sur lui d'être patient sur chaque chose et ne pas observer sur aucun empêchement qui va lui arriver. Alors, il nous dit Rabbi Nathan que c'est même les confusions qu'il a sur lui-même. On a parlé tout à l'heure des confusions qui l'entourent et qui sont des confusions qui viennent de ses proches ou des gens qu'il fréquente. Et des fois, on n'a pas le choix. Et les empêchements, ils viennent de ça. Par exemple, quand on va recevoir, par exemple, une réflexion de quelqu'un, alors cette réflexion, elle peut nous casser. Et à cause de ces réflexions, ça peut amener un sentiment en nous de tristesse. Ça s'appelle un empêchement. Et à cause de ça, on va mettre de côté les choses, notre service divin. Mais il nous dit que même ces empêchements et ces confusions, elles peuvent venir de nous-mêmes. Que les passions de ce monde et les mauvaises pensées, elles nous courent après, sans arrêt, ça ne s'arrête jamais. On est toujours, si vous voulez, ce qui nous empêche de servir Dieu, de faire notre service divin, c'est à cause de nos passions et à cause des pensées qui nous poursuivent sans arrêt. Et particulièrement pendant la prière. Quand une personne, elle se dit « je vais m'isoler, je vais dire quelques mots de prière », ça ne va pas être facile parce qu'il va se trouver confronté à cause de ces mauvaises vertus qui sont la tristesse, la paresse et la lourdeur. Et à cause de ça, il a beaucoup de souffrance, il souffre de ça, une grande souffrance. Alors il dit le principal à ce moment-là, c'est la patience. La patience, c'est-à-dire la respiration, ça veut dire qu'il prend sur lui, il respire et il fait passer la chose. Et ça s'appelle la foi. C'est comme on a vu dans cet enseignement que la patience, on l'acquiert grâce à la foi. Quand une personne, elle est dans la foi, alors il va pouvoir supporter des choses qu'il ne pourra pas supporter sans foi. Quand il va pas avoir de foi, il va tout de suite rentrer dans le souffle court, il n'a plus de respiration, et tout ce qui se passe avec lui, il le prend d'une manière tragique, et c'est quelque chose qui lui mine la vie. Et donc, qu'il ait une foi complète dans Dieu, dans les tzadikim, et dans les gens qui sont kasher, qui sont vrais. Et il va se tenir dans son service divin, il ne va pas tomber et il doit complètement s'en foutre. Ça veut dire complètement pas faire attention à tout ça. Qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Ça vient nous dire que Rabbi Nathan, si on développe un tout petit peu, ça veut dire que ce n'est pas possible de se débarrasser de ces attaques, de ces confusions et de ces les choses et de ces embrouillements. Il peut pas se débarrasser de cette chose-là. Ça veut dire que la seule chose pour s'en débarrasser, c'est de rentrer dans la foi et que ne pas faire attention à ces choses-là. C'est quelque chose, Rabbi Nathan, il nous fait montrer que c'est quelque chose de normal. Il y a un moment où, avec les années, alors avec l'aide de Dieu, ces choses-là, elles vont disparaître, mais pour l'instant, tant qu'une personne, elle vit, même juste au moment où elle doit partir de ce monde, au moment où elle doit quitter ce monde, et ça continue, ça le lâche pas. Et à cause de ça, il peut avoir le souffle court, et ce que le mauvais penchant, il fait rentrer dans sa tête des confusions, et il fait rentrer aussi dans sa tête il affaiblit en fait son esprit. Il affaiblit son esprit
Et qu'est-ce qui lui fait rentrer dans la tête? C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Si vous regardez bien, vous allez voir que le mauvais penchant, chacun où il est, il travaille de la même façon. Il veut nous amener à croire qu'il n'y a plus d'espoir. À cause de quoi il nous fait croire ça? À cause des mauvaises actions, à cause des mauvais comportements, des choses qui ont des mauvais comportements. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il ne faut pas du tout faire attention à ça. C'est qu'en fait, quand une personne, elle veut se rapprocher du bien, automatiquement, elle va être confrontée à des pensées qui vont lui faire croire, mais tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance, tu n'as aucun espoir. Et tout ça à cause de tes mauvaises actions, tout ce que tu as fait. C'est ça qui va se produire. Mais il ne faut pas du tout faire attention à ça. Comme c'est écrit dans les paroles de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, et dans nos paroles, beaucoup de fois, combien d'hommes, combien un être humain, combien un homme, il doit se renforcer, les trazek, de recommencer à chaque fois. C'est-à-dire qu'il nous dit ici, Rabbi Nachman, combien il doit se renforcer, sans arrêt. Pourquoi? Parce que le désespoir, il n'existe pas. Il y a un homme sur terre, il y a 200 ans, il a dit, Enchu miyush ba'olam klal. Le désespoir, il n'existe pas. Cet homme-là, il a dit, Rabbi Nachman, que les espoirs, il n'existe pas. Le problème, c'est que cette chose-là, on n'y croit pas, puisqu'on tombe dans le désespoir, puisqu'on est attaqué par les mauvaises pensées, et que tout le monde est attaqué par ça. Mais il nous dit Rabbi Nathan, même une personne qui est tombée, qui a chuté, une très 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 grande chute, plusieurs fois et sans arrêt, sans nombre, ça veut dire qu'il a chuté, 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 chuté. Alors malgré ça, le désespoir n'existe pas. C'est magnifique. Regardez ce qu'il dit. Malgré ça, le désespoir n'existe pas. Et tous les jours qu'il vit sur cette terre, il doit se renforcer à chaque fois de recommencer de nouveau. Et de pas, excusez-moi, et de pas tomber dans la vieillesse. Dans la vieillesse du mauvais côté. Parce que toutes les chutes du monde, dans le monde d'un homme, elles sont en vérité le phénomène de la vieillesse. Il a l'impression, la personne a l'impression qu'il est déjà vieux, qu'il a vieilli dans ses fautes et dans les actions qu'il a l'habitude de faire. Il voit pas comment ça peut changer. Il voit pas comment. C'est comme si qu'il est rentré dans une routine, une loupe où il voit pas comment il peut se sortir de ses péchés. Jusqu'à qu'il croit que c'est pas possible de sortir de ça, c'est impossible. On peut prendre les addictions de tout genre. Il y a des gens qui sont addicts à la pensée, dans une mesure extravagante, où ils vont penser à chaque fois à des choses mauvaises. Il y en a qui sont addicts au sucre, addicts, et je ne veux pas dire, il y a des listes, on ne va pas rentrer plus que ça, mais vous avez qu'à développer vous-même, vous avez bien compris. Et donc, la vérité, c'est il faut qu'il sache et qu'il croit que chaque jour, chaque instant et chaque heure, il a la force en lui, il y a la force dans un homme de se renouveler et de se transformer comme une nouvelle créature. Je vais vous raconter une petite histoire, une vraie histoire qui s'est passée dans une yeshiva. Et c'est un jeune garçon qui est arrivé dans cette yeshiva, mais c'était ce qu'on appelle dans la rue un voyou. Il avait fait pas mal de choses. Il était recherché en Israël par la police. Et il est rentré dans la yeshiva
Il est resté dans la yeshiva et après il s'est marié, il a fait une famille, mais la police le cherchait toujours et des années sont passées, une quinzaine d'années. Et maintenant, comme il était le fils de quelqu'un d'important, c'était le fils d'un député, de quelqu'un d'important ici en Israël, la police, comme le papa est décédé, ils ont dit à la police, on va le choper, on va l'attraper. Maintenant que c'est sûr qu'il va venir. Et donc, ils sont allés et ils l'ont attrapé au moment de l'enterrement. Et donc, ils l'ont amené au tribunal. Et ils l'ont jugé pour les choses qui lui ont été reprochées une quinzaine d'années plus tôt. Son rave, il est parti avec lui au tribunal. Ils n'ont pas pris d'avocat. Et le rave, il a dit comme ça. Il a dit, cet homme-là, je le connais depuis 15 ans. Il est venu. Il s'est transformé, il a fait une famille, et il y a rien qu'on peut lui reprocher. Et à mes yeux, cet homme-là, il a payé sa dette à la société. Et l'homme que vous jugez, si vous voulez juger cet homme-là, ce n'est pas le même homme, c'est un autre homme. Et donc, grâce à cette intervention du Rav, les juges, ils ont entendu, et ils l'ont acquitté. Ils ont accepté cette plaidoirie dans le sens où, si vous voulez, cet homme, c'est pas le même homme qui existait quand il était avant, et donc c'était une créature nouvelle. C'est ça qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan, c'est que l'homme, il a un pouvoir de pouvoir, il a un pouvoir et de pouvoir changer et de se renouveler et d'être une créature complètement neuve. Parce que Dieu, alors pourquoi on nous dit qu'il a ce pouvoir-là? Et à chaque instant, c'est-à-dire que lui, la personne, elle croit, je suis tellement tombé que maintenant, je n'ai pas d'espoir. Comment je peux, il voit, la personne ne peut pas, elle n'arrive pas à voir comment elle va pouvoir sortir de ces manies et de toutes ces fautes-là qui répètent et qui répètent. D'accord? Mais il nous dit que il y a la force dans cet homme de se renouveler comme une créature nouvelle. Pourquoi? Parce que Dieu, il fait tous les jours que Dieu y crée, il fait des nouveautés. À chaque instant, chaque jour, à chaque heure, et chaque heure ne ressemble pas à l'heure qui est passée. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que comme Dieu, il renouvelle sa création à chaque seconde, mais nous, on n'est pas branchés là-bas. Pour ça que Rabbi Nachman, il dit que le désespoir n'existe pas. C'est une approche du désespoir qui n'existe pas. Aujourd'hui, on étudie un morceau de Rabbi Nathan où, qu'est-ce que ça veut dire, le désespoir n'existe pas? Tout simplement, comme Dieu, il renouvelle sa création à chaque instant. Donc, ça veut dire que l'instant qui vient de passer, c'est un autre monde. C'est fini. Voilà, il y a une seconde qui est passée, une autre seconde. On est passé dans un autre monde, une autre création. C'est-à-dire que chaque instant, c'est un nouveau monde qui se crée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, si elle se branche là-bas, elle va se renouveler comme une nouvelle créature. Tout simplement. C'est juste qu'il doit se brancher. Se brancher, ça veut dire de dire, moi, là où je suis maintenant, je suis, quoi qu'il s'est passé avec moi maintenant, je suis une nouvelle créature, je suis nouveau complètement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se renforcer à chaque fois de nouveau et de recommencer à chaque fois de nouveau. Et des fois, dans une journée, il va être obligé de recommencer plusieurs fois dans la journée. Rabbi Nachman, Rabbeinu HaKadosh, il ne pouvait pas supporter à son niveau, il ne pouvait pas supporter à chaque instant de sa vie, dans une journée, de rester au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il était très très conscient que Dieu, il renouvelle sa création. Donc on ne peut pas rester sur quelque chose de mauvais. Le problème, c'est que nous, on n'a pas la faculté. Ça veut dire, on ne sait pas comment ça marche, mais c'est ce qu'on est en train d'apprendre ce soir avec Rabbi Nathan, qui nous dit que l'homme, il a la possibilité de se renouveler à chaque instant, de casser cette loupe-là, de croire que
qu'on porte sur nous, en fait. C'est quoi la vieillesse? C'est qu'on a l'impression qu'on est très vieux dans nos actions, dans notre façon de penser, qu'on traîne un gros paquet. Et plus ça va, et plus c'est lourd, et plus c'est difficile. Alors que quelqu'un, c'est les tzadikim. Mais les tzadikim, ils veulent qu'on arrive à ça. Les justes, Rabbi Nachman, il nous donne maintenant un conseil. Sache que chaque instant de ta vie, de la journée, que Dieu y fait, une journée, chaque minute, elle ressemble pas à la minute qui vient de se précéder, que c'est un nouveau monde. Nous, on a une impression de continuité et on porte sur nous des paquets, mais en vérité, ça se renouvelle à chaque instant. Et même si une personne, elle est restée un longtemps, longtemps, très longtemps, dans ses mauvaises actions, quoi qu'il arrive, peu importe sa situation, peu importe sa dégradation, chaque instant et chaque heure, il faut qu'il se rappelle de Dieu. Vous rappelez ce qu'on a étudié la semaine dernière, que quand même une personne, elle est au plus profond de sa matérialité, dans sa lourdeur, à partir du moment où il va faire un petit geste pour se démarquer, même si ce geste, il est comme un cheveu, qui se démarque de sa matérialité, de cette loupe-là, il se démarque un petit peu, ça a une très 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 grande valeur aux yeux de Dieu. Et là, il nous dit, c'est à peu près dans le même sens, mais d'une autre façon, d'un autre aspect, d'une autre approche, c'est qu'il nous dit qu'il doit se rappeler de Dieu et de complètement oublier tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, jusqu'à l'instant présent. Il doit oublier et recommencer de nouveau, tout de suite. De commencer de nouveau et de faire ce qu'il peut. D'accord? De faire ce qu'il peut. Ça veut dire de casser cette chose-là et de ne pas observer et de pas toutes les confusions et le fait qu'on veut affaiblir sa conscience, qu'on veut en fait le décourager. Et tout ça, ça s'appelle la patience. D'accord? Quand une personne, elle fait cet effort, elle va être attaquée par ses pensées, par sa logique, et que cette personne, elle va prendre un grand souffle, elle va respirer, et qu'elle va dire maintenant, ce que je suis en train de penser, c'est en fait la pensée d'un vieux. D'un vieux débile. Pourquoi on parle d'un vieux débile? Parce que c'est marqué que dans Qohélet, dans le livre de Salomon, le roi, il dit que le mauvais penchant, c'est un roi qui est vieux et qui est fou, qui est débile. Donc ça veut dire que quand on est visité par le mauvais penchant, on est visité par un débile qui ressasse les mêmes choses, qui nous fait croire que c'est pas possible de s'en sortir. Alors que là, il suffit de croire et de rentrer dans ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, où la personne, elle va, au moment où elle va être attaquée par un découragement, alors il va prendre son souffle, il va prolonger son souffle pour passer au-dessus de cette confusion et de ces empêchements. Et de ne pas regarder du tout, du tout, du tout, et de complètement s'en foutre, complètement. De vraiment de ne pas faire attention à ce qui se passe dans sa tête. C'est très très fort ce qu'il dit Rabbi Nathan. Et je vous signale que les paroles qu'il dit Rabbi Nathan, il les a prises de cet enseignement 155 du Likutei Moran, donc de Rabbeinu. Il faut qu'il se renforce dans Dieu. Dans tout ce qu'il peut, dans tout ce qu'il peut faire. Parce que Dieu, il est plein de miséricorde, et les miséricordes, elles sont jamais taries, jamais, jamais, pour l'éternité. Et donc, on a parlé de ça, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, on a parlé de ça plusieurs fois, mais cette chose-là, il faut revenir dessus plusieurs fois, à l'infini, le répéter et le répéter et le répéter. Parce que si vous voulez, de la même façon que
ce roi qui est le mauvais penchant, ce roi fou et débile qui vient nous rendre visite à chaque fois, il vient sans arrêt nous attaquer. Alors ça veut dire que maintenant, il faut aussi le médicament, c'est ce qu'on est en train d'étudier, revenir sur cette chose-là, sur ces idées-là, parce que c'est ça notre vie. Parce que pourquoi le principal, pourquoi la plupart des gens, la plupart des gens, c'est 99,9% des gens, ils s'éloignent de Dieu et ils perdent à cause de ça ce qu'ils perdent. Ce qu'ils perdent avec ça, c'est la vie éternelle. Quand une personne, elle se décourage, ça veut dire qu'elle croit que sa vie, c'est une fatalité. Et donc, à cause de ça, elle perd le monde, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est après. Quand une personne ici, elle s'est battue en retenant son souffle, en rentrant dans la foi et en sachant que, et en ne faisant pas attention à ce qui se passe avec lui au niveau de la pensée, alors lui, il arrive à une vie éternelle dans ce monde-là et bien sûr dans le monde futur. Et une vraie vie. C'est ça qui s'appelle une vraie vie. La vie, vivre une vraie vie, c'est-à-dire que la personne, elle prend sur elle. Ce n'est pas prendre sur elle dans la mesure où il va se contenir et il va être stressé, pas du tout. C'est qu'il va prendre les choses d'une manière de patience, où il ne va pas faire attention à ces attaques-là. C'est quand il ne va pas faire attention à ces attaques, alors il va avoir... il va être armé de patience. Et il nous dit que la plupart des gens, c'est juste parce qu'ils vont être affaiblis dans leur esprit et qu'ils vont tomber dans leur esprit. Parce que, à cause du fait que la plupart, ils ont essayé plusieurs fois et ils ont recommencé, encore après avoir tombé, à vouloir servir Dieu. Et encore, ils sont tombés après ça. Ils sont tombés dans quoi ils sont tombés? Chacun selon sa chute, que Dieu préserve. Et à cause de ça, ils se sont découragés de recommencer encore. Et il y a vraiment un petit nombre de gens qui, après tout ça, ils se sont quand même renforcés, encore une fois, pour recommencer encore une fois de nouveau. Et ils l'ont fait plusieurs fois. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que malgré tout, ils sont encore retombés. Alors à cause de ça, ils se sont découragés complètement. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont essayé, encore une fois, de servir Dieu. Et ils sont encore tombés. Dans quoi ils sont tombés? Et donc, ils ont l'impression, à leurs yeux, qui n'ont plus de force de recommencer encore à nouveau. Ils n'ont plus de force. Mais la vérité, c'est, il faut savoir que ça s'appelle de la conspiration. C'est en vérité, c'est un stratagème du mauvais penchant, qui est en vérité un vieux qui vient du mauvais côté, comme on a dit tout à l'heure, et qui s'appelle un vieux, un roi qui est vieux et débile. Et qui veut faire tomber la personne dans la vieillesse et de lui enlever toutes ses forces, toute son énergie. Pour ça que Rabbi Nachman, Rabbeinu, il a dit « Assur liot zaken », c'est interdit d'être vieux. Vieux, c'est pas dans l'âge, on l'a répété 100 fois. Dieu, c'est pas dans l'âge, c'est dans l'esprit. Tant qu'une personne, elle a un esprit qui est fort, alors même s'il a 150 ans, il n'est pas vieux, il est très jeune. Et donc, à cause de ça, il veut lui enlever toute son énergie et il lui fait croire qu'il a vieilli dans ses fautes et dans ses actions. Et que ce n'est pas possible de s'en sortir, ce n'est pas possible de changer. Et en vérité, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que chaque jour, l'homme est une créature nouvelle. Comme on voit, le matin quand on se lève, on fait les bénédictions... plusieurs bénédictions, on se lave les mains le matin, et toutes les bénédictions qu'on fait, qu'on remercie Dieu de ne pas nous avoir fait un esclave, de nous avoir donné la force, de nous régénérer, de nous avoir donné des vêtements. Alors,
les commentateurs, ils posent une question. Ils ont écrit que, en vérité, on pourrait croire que, on va dire par exemple, une personne, elle pourrait dire le jour de, quand elle prend conscience, à l'âge de 13 ans, on va dire, elle va faire une prière, elle va faire une bénédiction. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir vêtu, de m'avoir donné des habits. Pourquoi on est obligé de le faire tous les jours? On le fait une fois pour la vie, on prend conscience, et puis voilà. Mais en vérité, les commentateurs, les décisionnaires, ce n'est même pas des commentateurs, c'est les décisionnaires qui sont dans le livre de loi. Ils nous disent qu'un homme, pardon, tous les jours, c'est une nouvelle créature. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le livre des lois. Et donc, quand on dit, on remerciait Dieu de nous avoir donné la force, quand à quelqu'un qui est fatigué, de lui avoir donné la force, on fait cette prière tous les jours, cette bénédiction tous les jours. Imaginez-vous maintenant, quand une personne, elle est très, très, à la fin de la journée, on est épuisé. Il y a des degrés, mais il y a des gens, des fois, des journées où on n'a plus une goutte de force. On va dormir. Imaginez-vous si une personne dit, mais comment je vais faire? J'ai plus de force, ça y est, j'arrive à la fin de ma vie. Je peux plus, comment je vais faire? Ça y est, j'ai plus de force. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre au lit, il va dormir, et le matin, il se lève, c'est une nouvelle créature. Même si des fois, pour se lever, c'est difficile, mais c'est une nouvelle créature. Il voit qu'on lui a redonné des forces. Donc tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, il se passe un phénomène, que Dieu, il renouvelle sa création. Et qu'un homme, quand il se lève le matin, c'est une nouvelle créature qui n'a jamais existé. La preuve, c'est que si Dieu lui donne la possibilité de se lever, c'est qu'il a, Dieu, il a foi en lui. C'est ce qu'on dit dans Modéani, qu'on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme. Et à la fin de cette phrase, il dit, combien est grande ta foi en nous? La foi de Dieu, elle est grande en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a foi en nous? Oui, il a foi en nous. C'est qu'aujourd'hui, il nous a donné la possibilité de nous régénérer et d'être, on est une nouvelle créature. Le problème, c'est qu'on n'est pas branché. C'est qu'on traîne des wagons et derrière nous des pensées qui nous font croire que ça y est, là, ça passera pas. Là, on va pas y arriver. Là, si, etc. Toutes sortes de pensées. Et donc, on voit que quand on se lève le matin, on a un renouvellement de notre esprit et que chaque jour, on est une nouvelle créature. Comme c'est marqué dans le Harizal, dans la Kabbalah, le Harizal, il explique cette chose-là en long et en large. C'est pour ça qu'un homme, il doit faire très, très, très attention de ne pas tomber dans la vieillesse. Que seulement il doit se renforcer, de se renouveler à chaque instant. Ce n'est pas que chaque jour, c'est qu'à chaque instant. Parce qu'il faut savoir, les amis, que c'est une guerre. De la même façon que le mauvais penchant, il ne s'arrête pas une seconde. Mais ici, on prend des forces pour comprendre que de l'autre côté, on va être obligé de se battre contre ça. Et il doit se voir à ses yeux tous les jours et chaque instant que aujourd'hui il est né. Ce qui s'est passé hier ou c'est ce qui passait il y a 5 minutes, ça n'existe pas. Je vous rappelle une parole de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, qui ramène dans les Sichot Aran. Où il dit, dans le Sirat Aaron, il dit comme ça. Il dit que si il parle sur lui-même, je faisais une très grave faute, après cette grave faute, je redeviendrai l'homme qui n'a pas fauté comme avant la faute. Et après, quand il se présentera le moment où j'aurai l'esprit pour ça, alors je parlerai de ça et j'essaierai de rectifier mon tir, comme on dit. Mais quand une personne, elle est tombée, elle n'a aucune tête pour pouvoir réfléchir. La seule façon qu'il doit faire, la seule chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit renaître. Puisque de toutes les façons, on renaît à chaque instant. Seulement, on n'est pas branché. On n'est pas connecté à cette chose-là. Donc, on a l'impression qu'on est des vieux dinosaures, qu'on traîne des choses et de la fatigue et des pensées et des expériences, etc. Mais en vérité,
il renaît à chaque instant. Et que aujourd'hui, il reçoit une nouvelle Torah. C'est une Torah complètement nouvelle, puisqu'à partir du moment où c'est pour ça qu'on renouvelle ses bénédictions tous les jours, qui m'a donné de me vêtir, qui m'a pas fait un esclave, etc., etc., c'est parce que tous les jours c'est renouvelé. C'est pas quelque chose d'automatique. Il y a des gens que le matin ils ne se réveillent pas, ça existe. On a aucune garantie. On va dormir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on se réveille, on est une nouvelle créature. Une nouvelle créature dans tout. Ça veut dire qu'on ne doit pas ramener avec nous toutes les pensées et toutes les choses qui nous découragent. Comme ils ont dit nos sages, que chaque jour, il doit être à tes yeux comme nouveau. Et tout ce qu'on a parlé maintenant, ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan, c'est en correspondance avec la leçon 155 qu'on a étudiée au début de l'exposé, de notre discussion, que en vérité tout ça c'est la patience. C'est-à-dire que maintenant regardez quand Rabbi Nachman il parle de patience, regardez comment Rabbi Nathan il nous explique et qu'il explique et qu'il amène à nous un véritable conseil. Tu vas être attaqué. Ta pensée elle va être attaquée. On l'a répété plusieurs fois, mais ça c'est encore sous un autre angle. Mais que tu ne dois pas faire attention à ça. Tu dois savoir que tu as la possibilité de te renouveler à chaque instant. Et donc, il doit prendre son souffle sur chaque chose et chaque empêchement et chaque confusion qu'il y a dans le monde. Et il doit passer sur tout et il doit se renforcer à chaque fois dans son service divin. Et donc, le principe, c'est que chaque homme, il doit penser à son but final. Le but final, les amis, c'est très très simple. Rabbi Nathan, il a dit une parole qui est très très forte, mais qu'il faut savoir prendre et qui renforce pour celui qui veut se renforcer avec. Il dit, mon livre, je l'ai écrit pour quelqu'un qui s'inquiète qu'un jour on va le prendre et qu'un jour il va quitter ce monde, qui s'inquiète pour le monde d'après. Je veux préparer, comme on dit, ma retraite. Ma retraite, ça veut dire quand je vais quitter ce monde. Et donc, ça s'appelle le but final. Et donc, celui qui veut penser à ça, à son but final, il doit faire très 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 attention à ne pas devenir un vieux, de ne pas devenir vieux. C'est-à-dire de ne pas tomber dans la vieillesse que Dieu préserve. La vieillesse, ça veut dire dans le mauvais côté, le côté de l'impureté. Et là, regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Que ce soit un tzaddik, un homme vertueux, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a déjà un degré où, s'il s'appelle un tzaddik, ou même un chassid, un homme aussi vertueux, ou même la personne la plus petite qui existe. Tout ça, tous ces gens-là, que ce soit un tzaddik ou même quelqu'un de très 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 bas, tous ces gens-là, ils ont une interdiction formelle d'être vieux. Donc Rabbi Nachman, il ne dit pas d'être vieux pour les gens comme nous, qui sont des gens petits, mais même pour les tzaddikim. C'est quoi un tzaddik? Un juste, c'est quelqu'un qui est arrivé à un degré plus que respectable, mais que la nature humaine, elle nous amène, et que dès qu'on se sent un petit peu bien, on veut mettre ses pieds dans les pantoufles. On va être tranquille, c'est bon, là c'est bon, allez, ne touche à rien, tout va très bien. Ça s'appelle être vieux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'homme, qu'il ne veuille ou pas, il va toujours pousser vers l'avant. On ne va pas le laisser tranquille. Parce qu'il a, il doit avancer. Comme on a expliqué au début, dans l'enseignement de Rabbeinu, que quand une personne, elle se trouve, c'est une graine. Cette graine-là, elle va pouvoir se développer dans une bonne terre. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se développer dans la mesure où elle va être entourée de foi. La foi, c'est tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. C'est un aspect de la foi, c'est une entrée dans la foi, comme Rabbi Nathan nous l'explique, en nous disant que même une personne qui est tzaddik, qui est juste, elle va être obligée
de lâcher toutes ses réussites et de continuer à explorer et d'avancer. C'est-à-dire de ne pas être un vieux tzaddik. Donc Rabbi Nachman, il dit un vieux tzaddik et quelqu'un, un vieux pécheur aussi. D'accord? Les deux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils doivent ne pas tomber dans la vieillesse. Même le plus petit qui existe sur Terre, il doit faire attention de ne pas tomber dans la vieillesse. Parce que même quelqu'un qui est grand, qui est un grand tzaddik, il n'a pas le droit, c'est interdit d'être vieux dans son service. Même qu'il a eu le mérite de servir Dieu d'une manière très grande et qu'il est arrivé à un degré très très grand, malgré ça, il doit se renforcer de monter de degré en degré et de recommencer à chaque fois de nouveau. Ça veut dire de nouveau. Ok, j'ai eu une réussite, je m'endors pas sur ma réussite. Je continue à explorer et à avancer, mais de degré en degré. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman que le principal de la Yahadout, ça veut dire que de fait du service divin, c'est d'arriver à avancer de degré en degré, de ne pas brûler les étapes. Comme Rabbi Nathan il dit, j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu que quand il a commencé Rabbi Nachman à dire la Torah 9 du Likutey Moharan, cette Torah, elle parle dans ces termes que celui qui veut être un homme juif, israéli, ça veut dire un homme juif, juif, ça veut dire qu'il va être un homme connecté, c'est ça un homme juif, c'est un homme connecté, c'est-à-dire qu'il va aller de degré en degré, il peut pas arriver à être un homme comme ça, un homme qui arrive de degré en de degré. Seulement si il habite la Terre Sainte. Bon, après, on n'a pas évoqué ce morceau-là dans le Likutey Moharan. Après, Rabbi Nachman, il dit que en fait, la patience, elle s'acquiert seulement en terre sainte. C'est pour ça que Moïse, quand il a voulu rentrer en Terre Sainte, il n'a pas pu. Il a voulu rentrer en Terre Sainte, il s'est complètement prosterné. Il a voulu vraiment, il a eu une ferveur très grande pour entrer en Terre Sainte, parce qu'il a vu que celui qui habite en Terre Sainte, il va acquérir la patience. Et celui qui a la patience, qui acquérir cette patience, c'est-à-dire cette foi, alors il n'y a rien qui peut le bouger. Comme cette graine qu'on va mettre dans la terre et qui va être obligée de passer des tonnerres, de la tempête, des intempéries, il n'y a rien qui va le bouger, il n'y a rien qui va l'abîmer. Pourquoi? Parce que sa tête, la terre dans laquelle il est, c'est une terre qui est fertile, qui va lui donner la force qu'il y a en lui de pouvoir grandir et pousser et se développer. Et ça, on arrive grâce à la terre sainte. C'est pour ça que des fois, quand on est ici, des fois, vous voyez des gens qui sont complètement, mais très, très, très loin de la religion. Mais quand vous allez leur demander comment vas-tu, ils vont dire, grâce à Dieu, ça va bien. Pourquoi ils disent grâce à Dieu alors qu'ils sont loin de Dieu? Mais en vérité, c'est marqué Shron Eretz ou Emouna. C'est un passouk, un verset dans le Tehillim. Celui qui habite la terre, il va faire paître, il va faire grandir sa Emouna. La terre sainte, quand on la foule, elle fait grandir en nous une foi. Elle nous fait grandir. C'est pour ça, entre parenthèses, et ça c'est extraordinaire, vous voyez, c'est que les coups qu'on prend ici, vous voyez bien, la guerre, depuis toujours dans cette terre, il y a eu des avant la création de l'État d'Israël, et après, la preuve c'est qu'on est dedans, il y a des morts, il y a des prisonniers, c'est horrible. Mais ces coups-là, ils sont, si vous prenez ces coups-là et vous les mettez en dehors d'Israël, et que les gens ils prennent ces coups-là, ils ne peuvent pas s'en remettre. Pourquoi ils ne peuvent pas se remettre? Parce que la terre où ils sont, elle fait pas grandir la foi. Donc la foi, et c'est pour ça qu'ici, vous voyez des coups très très forts, mais d'un autre côté, la foi, elle est tellement grande que c'est déjà oublié. C'est pas oublié, mais allez, on avance. Et on fait grandir, on pousse au contraire.
Les gens qui vont prendre, vous voyez, des gens qui témoignent qu'ils ont perdu leurs enfants, que Dieu préserve dans des, avec les pogroms qu'il y a eu le 7 octobre, etc. Eh bien, vous voyez que quand ils parlent avec de la foi. Ça veut dire que vous voyez qu'ils arrivent à renforcer les gens qui ne sont pas tombés dans cette, qui n'ont pas eu cette épreuve-là. Et ils arrivent à grandir de l'épreuve. Que Dieu nous en préserve. Mais en tout cas, ici, cette terre, c'est une terre qui fait grandir la foi. Et c'est ça qui s'appelle une longue vie. Chaim Arukim, une longue vie, c'est-à-dire, c'est ça le schéma, comment on va vivre, comment on doit vivre. Si quelqu'un il veut avoir une vie éternelle et une longue vie sur cette terre, c'est que avec ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, Rabbi Nachman maintenant, c'est-à-dire de prendre les choses avec patience et de s'imprégner de ces paroles et de revenir dedans sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire qu'on va recommencer à vivre et à chaque fois de recommencer à zéro, à chaque fois. Vous voyez, Rabbi Nachman, il nous dit, Rabbeinu, que même un juste qui est vieux dans son service, il fait tout, hein. Il est là, il fait attention à tout ce qu'il doit faire attention. Il est déjà dans un degré très grand, mais son service, il a pas de valeur s'il le fait comme quelque chose de vieux. C'est-à-dire qu'il doit jeter cette chose-là et aller de l'avant. Voilà, les amis, il y aurait beaucoup encore à parler. L'écouter à la route, il continue. Peut-être que la semaine prochaine, on continuera, on va voir. Mais on a essayé de synthétiser. On a parlé de choses très, très, très grandes et qui sont fondamentales dans le service de chacun, dans le service, dans l'approche de chacun par rapport au divin. C'est que c'est quelque chose d'essentiel. Et sans ce qu'on a étudié ce soir, c'est absolument impossible de se maintenir dans son service. Mais vous voyez que si quelqu'un il arrive, si on arrive à attraper cette extraordinaire étude que nous révèle Rabbi Nathan, on voit que finalement, il faut se brancher sur le renouvellement qui ne s'arrête jamais à chaque moment. Il faut se brancher là-bas pour pouvoir être une nouvelle créature. C'est ça qu'il attend de nous, Dieu. Voilà, les amis, je vais mettre le. Si vous avez des questions, Bevakasha. Bonne question, c'est un cours très 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 dense. Ouais, c'est dense, ouais. Il faut plutôt méditer là-dessus. Razak, 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 cours exceptionnel. Waouh! C'est impressionnant quand vous avez expliqué qu'en fait que l'impatience et la colère c'est lié, c'est un peu la même chose. J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai. Non, oui, l'impatience, c'est plus que ça. Oui, vous l'avez dit comme ça, l'impatience, c'est la colère. Mais il dit que quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de foi, automatiquement, c'est la colère Prends le dessus. voilà, qui prend le dessus. La colère, elle est là. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de foi, quand il n'y a pas d'émouna, alors il n'y a que de l'idolâtrie. L'idolâtrie, encore une fois, c'est qu'on croit que c'est un tel ou ça ou quelle situation. Si on m'avait pas retardé, alors j'aurais pu prendre le bus. Donc c'est à cause de la personne qui m'a retardé. C'est un exemple simple, mais on peut le prendre à l'infini et ça s'appelle l'idolâtrie. Alors on est loin du compte, mais il faut guérir de la colère. Cette Torah-là, elle nous amène à guérir de la colère. Et excusez-moi parce que c'est ça qui dit Rabbi Nachman, de s'en foutre de tout ce qui vient nous, nos pensées, tout, qui vient nous freiner ou nous décourager. Il ne faut pas faire attention, il faut le jeter complètement, parce qu'il est là, c'est un virus. C'est un virus qui s'arrête pas, qui est toujours là. Voilà, les amis. Et c'est très beau quand vous avez tout ça avant de l'expliquer. Vas-y, frère. Et Josiane, vas-y. Oui, fini, fini, finissez, finissez. Moi, j'ai juste une question. Le début du développement, on a l'impression que le fait d'être paresseux,
apathie, comme vous le dites, vous n'avez pas avancé. Bah, vous savez, ce sont les troubles d'une dépression. Exactement, mais c'est la dépression. Vous avez Khazak, Khazak, madame, très très bien. Vous avez mis le doigt dessus. La dépression, c'est quelqu'un, en fait, qui a un manque de foi. Et entre parenthèses, la dépression, elle est liée beaucoup à la colère. Même si ce n'est pas une colère où on va exprimer, mais c'est une colère profonde. Et c'est vrai, cette colère débouche sur la dépression et la dépression, elle débouche sur la colère. Exactement, c'est exactement ça. Oui. L'apathie, la tristesse et la lourdeur. Oui, tout à fait. Voilà, Rabbi Nachman, il nous dit que c'est quelque chose de très, 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 très mauvais et qu'il faut jeter cette chose-là. Il nous a donné maintenant les outils. C'est vrai qu'il faut travailler, retourner, fréquenter les textes, revoir cet enseignement. Mais parce qu'on est attaqué sans arrêt. Oui, mais Rav, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que pour avoir la foi, il faut y être dedans aussi. Quand on est loin de tout. Ben, regardez ce soir, vous savez ce qu'on a fait, madame? Ce soir, on s'est rapproché de la foi. Vous avez bien vu ce qui nous a enseigné Rabbi Nathan ce soir. Deux secondes. Ce qui nous a enseigné Rabbi Nathan, ça nous a transposé dans un autre état. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fréquente la foi et qu'on la travaille, on va chasser la tristesse, la paresse et la lourdeur. Entre parenthèses, ces trois choses-là, elles apparaissent quand on veut prier ou quand on va aller chez le tzaddik, qui nous dit au début de l'enseignement rabbinon. Dès qu'on va vouloir prier, on va être attaqué par ces trois choses-là ou qu'on veut aller chez le tzaddik. Bon, il faut, voilà, Bezrat Hashem, il faut aller regarder l'Ilkoutei Moran, il faut, oui. Bezrat Hashem, et de... Il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il faut le répéter sans cesse, sans arrêt. Là, on a pris un coup de, si vous voulez, une petite injection. Mais cette injection, elle ne suffit pas. Il faut la prolonger, il faut la chercher, il faut la travailler. Une perfusion. Voilà, Khazak, madame Fitoussi, exactement. Vous avez dit le mot, c'est la perfusion qu'il faut. Exactement. Donc, il faut rentrer dans l'hôpital de Rabbeinu. Oui, Rav, ce que l'on peut préconiser à quelqu'un qui est dépressif, étudier. Et c'est un peu schématisé. C'est un peu schématisé parce que si vous dites quelqu'un est dépressif, vous lire le truc, il va vous envoyer paître. Non, il faut. L'étude, ça ne passe pas toujours dans la mouna. Non, c'est sûr que l'étude. Mais le truc, c'est que, regardez, c'est sûr qu'en vérité, ça débouche sur l'étude. Mais avant de parler de l'étude, il faut parler de ces différentes émotions qui sont très très mauvaises, ces mauvais traits qui sont très mauvais, et les expliquer pourquoi ils sont mauvais et à quoi ça correspond. Et vous voyez, il nous a fait un exposé extraordinaire, Rabbi Nathan, et de comprendre et de rentrer. Voilà, c'est de dire à quelqu'un étudie, c'est pas ça qui va le faire sortir de sa dépression. Bien au contraire, il risque d'être encore plus en colère. Parce qu'il va pas, il comprend pas ce que vous voulez de lui. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux comprendre. Il comprendra jamais. Comprenez? Voilà. Oui, tout à fait. Mais vous avez merci. Vous avez fait un cours de séance à un moment donné. Vous avez parlé aussi de la respiration. Ouais. Et vous avez expliqué que la respiration, elle était fondamentale et qu'on se reconnectait à la Emouna avec la respiration. Ouais. C'est très fort parce qu'en fait, quelqu'un qui est angoissé, stressé, déprimé, apathique, tout ce que vous avez... Ça s'appelle le souffle court. Mais même, il bloque sa respiration sans le vouloir. Sans la conscience. Oui, il a un souffle court. Et après, plus il bloque sa respiration... Lui, il rentre en dépression et il s'en rend pas compte. Exactement. La première chose à faire, c'est de débloquer la respiration, de faire de la méditation, des respirations, toutes les techniques qu'on a déjà étudiées ensemble. Mais c'est fou parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a insufflé la Neshama à Adam Harishon, il a insufflé. Donc, c'est-à-dire qu'il a. C'est le souffle de vie. Souffle de vie, et en fait, on se reconnecte à la Emouna par ce souffle. C'est très, très fort. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Ici, une personne,
elle respire profondément quelques minutes par jour en se concentrant sur sa respiration et en prenant, en rien qu'en pensant de dire ce que je suis en train de respirer maintenant, c'est le souffle de Dieu. Vous savez pas quelle guérison c'est. C'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Mais seulement, encore une fois, voilà, bon, Bezrat Hashem, on est là pour travailler. Merci. On est là pour merci. travailler. On est là pour travailler. Bezrat Hashem. Alors, je vous Merci. souhaite, je vous dis déjà Shabbat Shalom. Normalement, quand c'est le Merci. lundi, je vous dis Shavua Tov, mais là, je vous dis Shabbat Shalom. Et Merci. avec l'aide de Dieu, on se retrouve lundi. En bonne santé. Merci. Et avec la Mouna. Merci à vous. Portez-vous Merci bien. beaucoup à vous. Au et à revoir. tous. Merci.